Bon, a priori, c'est bon. Il faut que je cale ça. C'est toujours le boxon. Il y a déjà des likes, mais il n'y a personne sur le live. C'est beau. Salut, salut tout le monde. Hello, hello, il y a 3 personnes. Je pense qu'il y en a un peu plus. Salut tout le monde, hello, hello. Bon, un petit direct un petit peu tardif ce soir, mais on va essayer de faire rapide pour vous annoncer quelques trucs là pour ce week-end. Salut tout le monde, salut, salut. Bon, c'est cool, déjà 64 personnes. 76, putain, vous êtes chaud. Vous êtes chaud ce soir, c'est bon ça. Rapidement, ça va très bien, ça va très bien. Alors justement, voilà, le sujet de cette vidéo, c'est un petit rappel pour ce week-end, puisque ce week-end, il y a le salon de la chasse à Rambouillet. Alors en fait, c'est le salon de la chasse de Rambouillet, mais du coup, qui se situe à Mantes-la-Jolie, exactement. Donc voilà, c'est de vendredi 6, là, donc vendredi qui arrive là, jusque lundi d'après. Donc voilà, c'est du nord de la France. Il y a à peu près 45 000 visiteurs sur 4 jours, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et c'est un beau rassemblement de chasseurs et de passionnés de plein de choses. Et vous pouvez découvrir vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur ce salon. Donc du coup, petit rappel pour ce salon. On aura un stand avec Rêve de Chasse, donc avec toute la team avec laquelle on est parti en Tunisie. Et Nico de Rêve de Chasse. Donc voilà, on aura un stand. Et le numéro du stand, c'est le B86. Donc voilà, je vous remettrai tout ça dans la description. Mais le stand, c'est le B86. Donc vous pourrez retrouver toute l'équipe du vendredi au lundi. Donc moi, j'y serai tous les midis. Le vendredi midi, le samedi midi, le dimanche midi et le lundi midi. Donc par rapport à ce stand-là, on va faire 2 gros événements sur le stand. Donc à savoir, le premier, ce sera samedi à 12h pétante. Je pense que vous avez tous aimé la première partie de la vidéo de la Tunisie, puisque vous avez fait crasher le site, etc. Donc il y avait eu un gros engouement pour cette vidéo-là. Et donc là, en exclusivité à Rambouillet, le samedi à midi au stand B86, on va vous présenter la deuxième partie. Donc voilà, deuxième partie qui sera diffusée donc sur un grand écran avec du son, etc. Donc là, ça va envoyer vraiment du lourd. On espère que ça va vous plaire. On pense que ça va vous plaire aussi. Donc voilà, donc cette avant-première sera le samedi à midi sur le stand Rêve de Chasse, donc B86, et également le dimanche, parce qu'il y en a qui viennent pas forcément les 2 jours. Donc le dimanche aussi à midi, vous aurez la seconde partie du voyage en Tunisie. Donc voilà, puis ce sera l'occasion aussi de tous nous rencontrer, d'échanger, de pouvoir parler tranquillement sur le stand. Donc voilà, ça c'est le premier gros événement. Et le deuxième gros événement, c'est que durant toute la durée du salon, en fait, on organise un concours. Donc en fait, tous ceux qui viendront sur le stand pourront s'inscrire à ce concours. Donc il y a plusieurs lots à gagner, notamment, alors là j'en ai un sous les yeux. C'est donc un piège photographique donc, qui est offert par Studio Sport, donc merci beaucoup à eux. Donc piège photographique, en fait, ça vous permet de filmer la nuit, le jour sur vos territoires de manière complètement, tranquille, quoi. C'est-à-dire que vous laissez ça, et un détecteur d'image, ça prend une photo et puis, ou une vidéo, et puis du coup, ça enregistre sur une petite carte SD que vous pouvez récupérer après. Donc voilà pour ça. Il y aura aussi un point rouge qui est offert par... Donc merci à eux, ça c'est super cool. Il y aura des vêtements, des casquettes, des bérets, enfin il y a plein plein de choses à gagner. Donc en fait, si vous voulez participer à ce concours, il faut venir nous voir au stand, donc B86, je le rappelle. Alors ça bug, mais moi pour l'instant j'ai un bon réseau, donc je sais pas ce qui se passe. Bon. Là j'attends un petit peu, mais bon pour l'instant. A priori, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, bon, je vais continuer là. A priori, ça. C'est bon ou pas, dites-moi là. Je
Je sais pas si elle a bugué. Non, c'est bon. Ok, bon, ça va être reparti. Vous êtes peut-être trop nombreux encore, ça fait bugger YouTube. Donc, petit récapitulatif. Donc, pour ce concours, il faudra passer sur notre stand pour vous inscrire et pour tenter de gagner donc un des nombreux lots. On a fait un petit article sur le site Rêve de Chasse, donc pour résumer tous les lots qu'il y avait à gagner, toute l'organisation du salon, etc. Donc, je vous l'ai mis dans la description. C'est le premier lien qui est dans la description. Donc, vous l'aurez juste en dessous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà deux beaux événements. Et puis, du coup, ben, on espère vous voir nombreux. Donc, moi, comme je vous disais, je serai sur le stand Rêve de Chasse, donc B86, tous les midis. Donc, vendredi midi, samedi midi, dimanche midi et lundi midi. Et sinon, vous pourrez passer me voir au stand Changrand, donc qui est le stand A14, donc qui est un des premiers en fait quand vous entrez dans le salon. Donc voilà, pour faire une photo, discuter 5 minutes, j'y serai un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Alors après, si vous avez des questions par rapport au salon, par rapport au concours, par rapport à toute l'organisation de tout ça, n'hésitez pas. Moi, j'ai fait passer tous les messages. Donc, le salon, je le rappelle, c'est le salon de Rambouillet qui se situe à Mantes-la-Jolie. Donc, qui est ce week-end à partir de vendredi. Donc, du vendredi au lundi. Donc, voilà, je pense que ceux qui sont déjà venus pourront dire que c'est quand même un salon qui est vraiment au top. Et du coup, qui permet de voir vraiment beaucoup de choses. Alors, au-delà de nous, il y a quand même pas mal de choses à voir. Toutes les nouveautés armes, munitions, vêtements, tout ce qui concerne le monde de la chasse. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de s'y rendre. Puis on rencontre plein de gens. C'est l'occasion de faire pas mal de belles rencontres. Le parking est-il payant? Non. Non, 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 le parking n'est pas payant. Vous avez un parking. Il y a un parking global pour tout le monde. Donc ça, c'est assez facile d'accès. Enfin, on se gare facilement. Il y a peut-être 4 minutes de marche à pied du parking jusqu'à l'entrée de la grande tente. Donc voilà, si vous avez d'autres interrogations, on peut manger là-bas. Oui, bah oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs bars. Enfin, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez pour vous refaire à la cerise. Ah non, je peux pas décaler le salon au week-end prochain, non, malheureusement. C'est toujours début avril, hein, le salon de Rambouillet, c'est toujours début avril. Y en a qui ont l'air loin là en voyage là. Tu fais pas payer la photo. Non, 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 je la fais pas payer. Vous êtes fous, si je faisais payer les photos, je serais riche. Donc non, bah écoutez, je vois toujours pas mal de gens. Pas mal de gens au salon, donc c'est cool. J'espère que vous serez encore nombreux cette année, comme je vous rappelle. Mais le salon de Rambouillet, c'est à peu près 40-45 000 visiteurs, donc c'est quand même énorme. Hein. Sur 4 jours, c'est vraiment énorme. Alors, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore leur place, il y en a encore disponible sur le site du salon. Donc, le site, c'est le. C'est salon de la chasse. Éventuellement, si vous n'avez pas encore pris vos places, vous pouvez le faire en ligne directement là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je veux vous dire là-dessus. Donc voilà, c'était un petit direct vraiment tout rapide pour vous annoncer tout ça. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Combien nous sommes là? Tu nous fais un record. Je sais pas, non, 71, mais. Ah oui, et le samedi soir, en effet, je crois qu'il y a il y a un concert de trompe à la collégiale de Mantes-la-Jolie, justement. Je sais plus si c'est vendredi ou samedi, je sais plus ça, dans le doute. Donc bon, pour récapituler un petit peu. Alors, attendez, parce qu'il y a pas mal de questions. Vous prévoyez quoi d'autre sur le stand Rêve de Chasse? Écoutez, après, nous, on a l'écran qui tourne en boucle avec toutes nos vidéos. Enfin, là, ce sera l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc, comme il y en a qui viennent d'assez loin, ça peut être vraiment sympa de se rencontrer, de discuter autour de la chasse, etc. C'est toujours des bons moments. Alors, les places pour le salon, c'est 15 euros. Donc, vous pouvez accéder à tout, toute la journée. Il n'y a pas de.
Y a pas de souci. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent si je serai au Game Fair. Oui, j'y serai aussi. J'y serai aussi, il n'y a pas de souci. On peut pas louper des événements comme ça, c'est quand même sympa et... Ah, t'inquiète pas, Bastien, t'inquiète pas. Alors, du coup, bon, pour récapituler. Donc, le salon, c'est de vendredi à lundi à Mantes-la-Jolie. Grosso modo, c'est ouvert de 10h à 19h quasiment tous les jours. Donc, nous, avec Rêve de Chasse, donc avec Phil, avec Marius et Nico. Alors, Nico, malheureusement, il sera peut-être pas beaucoup, beaucoup là. Mais voilà, donc c'est le stand B86. Donc, vous nous retrouverez. Alors, c'est pas facile. Non, c'est pas compliqué plutôt. Vous prenez l'allée centrale, vous allez tout au fond et c'est sur la droite. Donc, stand B86, deux grosses animations, une le samedi, une le dimanche. On vous présente en avant-première la deuxième partie du voyage en Tunisie. Donc là, voilà, ceux qui seront là sur le moment pourront voir ça en direct. Donc ça, je pense qu'on va passer un bon moment, puis ce sera l'occasion de débriefer, faire quelques photos après, etc. Donc le samedi à midi, première diffusion, et il y a une deuxième diffusion le dimanche à midi. Donc voilà, ceux qui ne sont pas forcément là le samedi ou le dimanche pourront passer un jour ou l'autre. Donc voilà. Et lors de ce salon, on va organiser donc un jeu concours. Donc ceux qui viendront nous voir sur le salon pourront participer, mais seulement ceux sur le salon. Voilà, c'est la règle du concours. Donc il y a pas mal de lots à gagner. Comme je vous le rappelle, hein, il y a un piège photo, un point rouge, des vêtements. Il y a Phil qui offre des bérets aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à gagner. Je vous ai mis le lien de l'article correspondant juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez avoir plein d'infos. Il y aura de la meuf. Alors non, on n'a pas encore recruté de chasseresse dans la team, mais pourquoi pas, hein. Merde, il n'y a pas ton Guérini à gagner. Ah ouais, non. Tirez, je le ferai pas gagner tout de suite. Hein. Alors vous pouvez acheter vos places soit sur internet, soit là-bas. L'avantage de les acheter sur internet, c'est que vous arrivez, vous ne faites pas la queue, quoi. Tu iras voir les conducteurs de chiens de sang, pas spécialement, enfin peut-être que j'en croiserai, mais sinon, pas forcément. Tiens, ça va trop vite là, vous êtes trop actifs, les gars. Ouais, alors on fait tous gagner quelque chose, hein. Enfin voilà, on s'est tous débrouillés pour avoir des lots sympas à vous faire gagner, donc c'est l'occasion de... Ça vous coûterait, hein, le concours c'est gratuit, hein. Il faut juste votre nom, votre prénom. Vous venez vous inscrire sur le stand et puis on fera un tirage au sort à la fin de ça. 11h30 pour l'apéro. Ben vous pouvez l'apéro c'est sacré, les gars. Donc bah voilà, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai donné les infos essentielles. Donc bah au plaisir de vous retrouver sur le salon, pouvoir échanger comme chaque année et puis faire la connaissance des passionnés, c'est toujours un bon moment. Alors, tirage au sort, on le fera le lundi après le salon, enfin à la fin du salon, on fera un tirage au sort entre tous les participants. Alors, ouais, j'aurais peut-être ma trompe de chasse, mais je sais pas. Il y a une équipe de sonneurs, entre guillemets, professionnels qui tourne sur le salon, mais nous, on fera peut-être ça en off le soir entre nous, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai déjà pris un quart d'heure, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous donc au salon. À Mantes ce week-end, en espérant vous voir très nombreux. Il y aura vraiment beaucoup de bons moments, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse, bonne soirée. Le lien de l'article est dans la description. Vous avez toutes les infos, les lieux, les dates, les heures, etc. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai directement dans la vidéo. Donc voilà. À très vite les amis et bonne soirée. À vendredi.